상도전입니다악쇼Qu'est-ce que va être le film? Qu'est-ce que je vais garder du film? Je pense que je vais garder un souvenir de beauté. Voilà, une notion de la beauté, de l'être humain. Une notion de la Alors, les quatre filles sont là, comme d'habitude, et il y a lui qui s'approche et on va discuter. Plein d'heures, on plonge un petit peu. On fera donc le plan avec le roulement dans lequel vous roulez et lui elle avance sur ses corps. L'important que maintenant vous répétiez toutes les actions de façon qu'après on recommence de la plus simple pour arriver à la plus compliquée. Je vous laisse le temps de prendre position. Patrick, il est où? Viens. Attention, le protagoniste fait comme ça. Au début, c'était toujours un peu, il y a la pudeur des filles, elles étaient 31. Grande scène où les femmes étaient nues, ça a été une expérience pour moi, je pense qu'il me marquera toute ma vie, qui a changé un certain point de vue. Bon alors. Non, tu ne déplaces pas tes pieds. Je crois que c'est simplement une direction du corps. Ouais. Ah, la tête plus là, plus comme ça en fait. On fait un essai. On y va. Vas-y Patrick. Vas-y toi. Prends appui sur les pieds, n'aie pas peur.
C'est vrai que j'ai surpris une fille qui me disait mais le pauvre, regardez-le, il arrête pas de regarder dans les yeux des filles. Il n'arrive pas à baisser les yeux. Ce qui était tout à fait normal, parce que c'est vrai qu'au début ça fait un drôle d'effet de voir toutes ces femmes. Laissez vraiment vous porter, vous laisser aller, prendre le mouvement doux. Et c'est pas seulement quelque chose qui passe dans les corps, ça passe aussi dans la tête, dans votre tête. On va tous descendre en bas. Pour ceux qui veulent aller au toilette, on va faire la question. Après, ça améliore. Si vous devez descendre et vous devez aller au toilette. And maybe it'll bring my love to me. Très physique, pas très physique. Sans que ce soit... Non mais vraiment terriblement physique. C'était intéressant, c'était fort, c'était assez bouleversant par moments. C'était pas le truc super confortable et c'était pas moelleux. Mais en revanche, c'était très fort. C'était une énergie yang très très forte. C'était assez quand même inconfortable dans la position du corps parce qu'on était complètement reposé sur leur corps, sur leur épaules, hanches, genoux, donc, et surtout bon, sans dévoiler le film, mais le fait de tout d'un coup qu'il y ait une femme parmi ces hommes et qu'il y ait ce moment où les mains sont tous. Mais c'était très fort aussi. C'était assez fou. On la tourne ? Allez, allez, allons-y. 2, 5, 6. C'était un film très lourd. Mais très dur à diriger parce qu'il y avait, plein de choses. Il fallait être phlegmatique, il fallait être délicat. Voilà.
Ils n'ont pas envie d'avoir d'autres. Ouais, je suis là. Je suis désolé si ça prend un moment pour faire cette scène, mais c'est que techniquement c'est très très compliqué ce qu'on essaie de faire. Donc au final, on l'aura, ça sera aussi très esthétique ce qu'on peut faire. 318. Michel ? Oui ? 318. PD ? 318. 78 ? 318. Il a tourné un film en 35 mm. Hein. Et puis honnêtement, on peut dire que ce 35 mm, c'est quoi? C'est une grande demoiselle. Hein. Je ne veux pas radoter. Hein. Et puis vous savez que il faut la violer avec élégance. Au niveau professionnel et au niveau personnel, nous allons avoir appris qu'est-ce que c'est l'élégance. Ça, c'est des... ils vont voyager de nuit, ils vont à Milan, tu te rends compte. Voilà. Hey, l'artiste. Tu te rends compte qu'il faut rentrer à Milan avec ça. Oh, vrai. C'est ça. Ah, il y a. Senti, questa la devo dare a Matteo io, eh. Bellissimo. Non è mia, è di Matteo, non vado in giro con le radio. Vous avez vu Matteo, monsieur? Là-bas. Ok, c'est terminé. Allez. Pour ce qui concerne les projets de Matteo, c'est quelque chose qui est très loin de ma sensibilité. Et donc au début j'avais du mal. Mais ce que j'ai trouvé très important, et du point de vue d'un producteur,
c'est que dans ce projet, on voit très bien que Matteo il a mis ses tripes à l'écran. Et je pense que c'est là qu'on voit vraiment le cinéma. Quand un réalisateur, il dévoile soi-même et il fait nous découvrir quelque chose de lui-même. Et je pense que là, c'est vraiment le cas. Donc, je peux considérer ça du cinéma à 100% et je suis très heureuse d'avoir participé à tout ça. Et voilà, gros bisous. Et on fait vite. Ciao. Hanging around downtown by myself and I had so much time to sit down and think about myself and then there she was. Like double cherry pie, yeah, there she was. Like disco superfly. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely. Mama, this surely is a dream. Dig it. Il a une ambition, il a une vraie ambition, et je pense que les gens qui peuvent se permettre d'avoir une ambition, c'est qu'il y a un travail derrière. Et je pense que Matteo a un travail derrière qui lui permet d'avoir cette ambition et cette stature. Ouais, justement, un moment. C'est pour ça que ça m'a plu, c'est l'ambition du film qui m'a plu. Et la précision de Matteo sur le travail. Ici c'est normalement vide. D'accord, alors tu fais ta soleil. Alors tu termines juste ta boucle oreille. Tu as déjà mis pour la pousse. Elle met sa boucle oreille. Et elle fait les nœuds. Comment elle fait les nœuds? Là, qui arrive à faire. Au moment où tu prends le manteau, elle commence à partir et finir les yeux. Je sais pas, Matteo, j'ai l'impression d'avoir toujours connu. Il y a eu un truc, une évidence. Pas besoin de s'expliquer pendant 2 heures. Alors là, tu. Un regard, pof pof. Et pour moi, ça, c'est la manière de travailler, j'adore. Quand on échange un regard, on dit juste fais ça là. Toi-même, quand t'as tourné, tu y as pensé, tu t'es dit oui, là, tac. Et en effet, c'est ce qui manque. C'est une vraie symbiose. Et puis, avec Edmond Richard à la lumière, avec Jean-Paul au cadre, enfin avec toute l'équipe. Non, je pense que c'est quelque chose de très bon. Je pense que c'est un film qui sera bon. Ce sera un très bon film. Silence. Silence partout. Après, se sentir nu, techniquement, oui, j'étais nue. Maintenant, justement, jouer la nudité, qui n'est pas vraiment concrète, puisque c'est une nudité de fantasme, et pas forcément de femme réelle, c'est intéressant parce que ça donne un peu une distance vis-à-vis de la nudité, donc qui n'était pas inintéressante à jouer, ou en tout cas à paraître. De mettre ces fantasmes en images comme des sortes de fantômes, d'images qui passent dans un appartement, que ce soit homme ou femme, et de montrer aussi que dans un couple où tout se passe bien, l'homme et la femme ont tous les deux des fantasmes et que ça n'interfère pas dans leur quotidien et dans l'amour qui se porte. Je trouve ça super intéressant. Ça va bien ? On va le dire. En arrière, en arrière, en arrière, voilà. Il recule un petit peu de 5 cm. Il y a un téléphone qui sonne ici. Il y a un téléphone grenouille qui sonne. Laquelle-moi. Ok, alors on va y aller.
façon, c'est que je pense que c'est un film universel, qui traite de l'universalité. C'est bien. Exactly clear. There's a